vous regardez RTL. Une grosse tête qui a fêté ses 38 ans cette semaine. Eh oui, c'est plus une gamine. Stevie Boulet. Ça y est. 38 ans, vous êtes un vieux, Stevie. Ça y est, ça commence. Bon anniversaire, Stevie. T'es adulte, merci, bon anniversaire. Merci, les amis. Oh là là. Ouais, tu les fais pas. Tu les fais pas. Ah, merci, c'est très gentil. Quand même, il a dû hériter. Regardez, il a hérité d'un sous-pull des frères Jacques, déjà. Mais non, c'est les nouveaux t-shirts, ils sont très très chauds, là. C'est Uniqlo. Vous savez, c'est des matières spécifiques qui gardent le corps chaud. C'est absolument incroyable. Ah, parce que vous aviez pas. Je suis très nouvelle technologie, moi. J'aime bien. Non, mais c'est vrai. Et c'était blanc, il n'y avait que blanc. Non, il y avait toutes les couleurs, mais j'ai opté pour le blanc. Et les tétons, ils sont... C'était blanc. Les tétons sont sur le t-shirt ou c'est les tiens? Oh, mais oui, c'est vrai que je c'est vrai qu'on les voit, hein. Bah, j'ai le nichon garde à vous, bah, il faisait le froid. Il a plus de poitrine qu'Ariel Dombal, regardez. Ah non, non, tout de même, écoutez, là j'ai mis justement soutien-gorge pigeonnant. C'est pas vrai. Donc, et vous allez pigeonner qui alors? Bon, Ariel, attention, hein. Oui. Il faut maintenant apprendre les paroles des chansons des Parisiennes. Oui, 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 oui. Et en plus des paroles tellement pertinentes et modernes qu'elles vont être apprises deux fois plutôt qu'une. Allez-y, allez-y, commencez la chanson. Est-ce qu'on est bête quand on est amoureux qu'on voit? Est-ce qu'on est bête quand on aime? On perd la tête. Quand on aime, on ne voit plus qu'un garçon. Pourtant, il y en a des millions. Mais lui, c'est le nôtre. Les autres, on leur dit toujours non. Bah oui, elle l'essaie finalement. Oui. Ariel, qui a écrit ces paroles absolument elles sont inoubliables. Eh ben oui. Voilà. Alors, qui les a écrites? Qui les a écrites? Franck Gérald. Voilà, Franck Gérald. Heureusement que je suis là. Oui, c'est vrai. Et vous savez, ma chère Christine, les Parisiennes, chaque fois qu'elles sortaient un tube, c'était 1 million d'exemplaires. Mais c'est sûrement ce qui va vous arriver, chère Ariel. Michel, vous voulez pas être parisienne? Il fait trop beau pour travailler. Ça, c'est un temps à aller se promener. Ah ben, elle connaît les paroles, elle ne fait pas partie du groupe. Il fait trop beau pour travailler.